À tous. Salut à toutes la FCF TV Web qui vous propose un nouveau programme Foot Cagou, un programme mensuel puisque tous les mois on se donnera rendez-vous sur le web avec des invités. Ces invités ce sont les acteurs, les actrices du football calédonien, celles et ceux qui œuvrent actuellement à la construction du football en Nouvelle-Calédonie et puis celles et ceux aussi qui ont fait briller ce football Cagou, des plus anciens des plus anciennes. En tout cas, de nombreux et nombreuses invités seront au programme. Pour commencer en beauté, forcément, on pouvait n'avoir que des attaquants. Un spécial Parole d'attaquant avec euh, nos deux premiers invités. Michel Mahé, ancien international et grand buteur du football calédonien. Bonjour Michel. Bonjour Romain. Et puis à ma gauche, Ramon Djamali, également ancien international à Cagou. Et puis ancien buteur et attaquant. Bonjour Romain. C'est parti pour ce nouveau programme. Parole d'attaquant, c'est tout de suite sur la FCF TV Web. Michel, sur ta carrière, hein, qui a pris fin euh, il y a à peu près 7 ans, tu peux un peu euh, nous reparler un peu de ton histoire, de ton vécu avec euh, le football calédonien, ta carrière Moi, j'ai débuté avec la GES Marais avant de m'expatrier vers euh, la Polynésie, où j'ai évolué 4 ans là-bas, et retourné ici en Calédonie dans les années 2002, pour évoluer avec euh, Magenta, et deux saisons avec le Mandor, et terminer ma carrière encore avec... Euh, Magenta qui marque ici en grade. Beaucoup de titres euh, aussi à ton palmarès Je pense, si je ne me trompe pas, euh, beaucoup de titres avec l'ice magenta. Euh, le Mandor également, où j'étais de passage. On a pu euh, gagner euh, un titre avec euh, le Mandor. Et en Polynésie, pareil, une Coupe de Polynésie, et un championnat de Polynésie. Est-ce que tu te souviens si tu as des titres honorifiques de meilleur buteur, que ce soit en Tahiti ou ici alors, à Tahiti, j'ai eu deux fois le titre de meilleur buteur, les années 99-2000 et 2000-2001. Et euh, après, je pense qu'en Calédonie, euh, je ne me souviens plus, mais il me semble que j'ai bien, bien terminé une ou deux fois le meilleur buteur sur le territoire. En tout cas, il y en a eu plein de buts il y a eu aussi des, des buts avec la sélection. Est-ce que tu peux nous redire un peu ton parcours avec la A la première expérience que j'ai eu avec la sélection A c'est pour les euh, Jeux du Pacifique en 2003 où ça a été un des moments forts euh, où la sélection calédonienne a, la fédération calédonienne a euh, repris quelques joueurs qui évoluaient euh, notamment en Polynésie et dont je faisais partie avec euh, Ramon et, euh, et José Maé et Papin euh, Louénou. J'ai Alors j'étais un peu fouiné sur internet 28 sélections 22 buts le ratio est pas mal. Euh, oui, on peut dire si on peut dire ça, quoi, hein. donc euh, c'est ce qu'on demande à un attaquant hein. euh, quand on est en sélection, on se doit d'être efficace. Est-ce hein. que justement, Michel, tu as des moments forts là, qui te reviennent euh, sur, sur cette carrière qui a été longue et, et fructueuse ben, là, Des moments forts, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, le fait d'être rappelé pour la première fois en, en sélection de Calédonie et le premier but en sélection avec euh, ce but contre la Papouasie Nouvelle-Guinée pour euh, l'ouverture des Jeux du Pacifique en Tu T'as une description à nous faire de ce but, c'est quelque chose qui, qui t'est resté marqué un peu? Ben, c'est un peu sur l'action de but. Hein, euh, je pense que c'est euh, face au but, le ballon il revient, le contrôle, puis voilà, hein, c'est l'enchaînement, hein, face au but, on est face au but. C'est simplement le fait de cadrer. Voilà, la frappe elle va dedans. Quoi. Comment tu te définirais ton style, style d'attaquant que tu étais Alors beaucoup plus dans la finesse, hein. enfin moi je suis beaucoup plus dans la finesse et euh, j'ai tendance à essayer de surprendre l'adversaire, hein. mon adversaire direct, notamment le défenseur. Et après face au but, eh j'avais cette, euh, cette capacité de rester serein et de cadrer à chaque fois euh, mes frappes quoi, hein, face au but. Justement, on y reviendra tout à l'heure ensemble Michel, avec aussi ta faculté de déplacement et de, de pouvoir toujours te, te libérer l'espace, on y reviendra tout à l'heure. Peut-être un dernier mot, est-ce que, est que tu as peut-être des regrets de ne pas avoir été tenté euh, l'aventure euh, à l'étranger ou en tout cas professionnel, parce qu'on sait que bah, tu avais euh, clairement le niveau pour peut-être essayer. Avec la carrière que j'ai faite, je n'ai pas de regrets, personnellement j'ai pas de regrets parce que voilà, ce n'était pas ma volonté, c'était la volonté de quelqu'un de très proche, qui aujourd'hui j'ai une très grande pensée. Il n'est plus de ce monde, mais voilà, je n'ai pas de regrets. Et avec une carrière, pour moi, c'est satisfaisant et honorable quoi, pour moi, personnel. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse plus technique. Rabanne, ben merci euh, comme Michel de ta disponibilité. Euh, à l'instar un peu de Michel, on va revenir sur ton parcours de joueur. Tu peux un peu nous raconter, toi, comment ben, comment, comment s'est ficelée ta carrière Oui, ben, j'ai évolué, j'étais formé dans mon club laïs à l'époque. Et après, euh, on, avait atteint, on avait réussi à arriver les, les, faire les deux finales et après ensuite on m'a repéré par l'intermédiaire de monsieur, monsieur Pierre, euh, Bonapur, M. Pierre Wanapo, il m'a fait envoyer à fait partir à Tahiti où j'ai pu signer à l'Aise Vénus. On imagine euh, aussi qu'à Tahiti, aussi bien à Tahiti qu'ici, bah, les filets ont tremblé, tu un peu le souvenir là, de ces saisons où tu as t auras marqué un peu les esprits Oui, bien sûr, ça a marqué avec la saison que j'ai fait déjà au thé avant de partir, qui euh, m'a permis après de me faire remarquer pour partir sur Tahiti. Bon, c'est vrai que là, j'étais vraiment... On avait une bonne équipe où j'enchaînais des buts. C'était vraiment une expérience où l'aventure est commencé Après, sur Tahiti, où j'ai eu la chance, on est arrivé mon premier match où j'ai pu déjà marquer sur mon premier match. Ouais, c'est forcément toujours une bonne chose. Euh, du coup, au niveau du palmarès, euh, tu as rempli un peu les, les armoires à trophées. Oui, voilà, bien sûr. On a, ben, où je, je suis arrivé dans le club de Vénus, où c'était déjà avec Pirae, où c'était des clubs où ils avaient déjà remporté des titres. Donc, on a su commencer à gagner le championnat et les coupes avec eux, ou des titres de meilleurs buteurs aussi. Et j'ai eu la, la chance aussi d'être élu meilleur joueur pour ma première année avec l'Est Vénus. Mes meilleurs euh, joueurs du championnat Thaïsien. Donc euh, déjà, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de continuer à, à progresser. Alors j'ai noté aussi, Ramon, bah, forcément, ça a ouvert les portes tout ça, de la sélection. 2003-2008, à il me semble, tu étais en international. Oui, voilà, c'est ça. C'est la première sélection où la fédération elle avait décidé de faire appel à les joueurs expatriés, on va dire. Du coup, euh, nous à Tahiti, on était, on était quatre jours. Il y avait dans moi, Michel, Jackie, Waiko et Joseph euh, Louéno et José Maé. Et du coup, ça a été première sélection, c'était pour les Jeux hein, avec, euh, avec euh, un petit frère aussi qui était en France là, Beaumier. Benjamin, Benjamin. Ouais. Et cela, on a pu. On a ouvert les portes en fait après pour les pour les sélections qui étaient derrière, pour les, pour les jeux qui y suivaient, parce qu'ils ont décidé de faire appel après aller à à les chercher les, les joueurs qui étaient sur Tahiti et en France. Et nous, ça nous a permis ben, d'amener de, voilà, de, de ce qu'on avait appris là-bas à Tahiti pour venir euh, euh, compléter ici le... Les joueurs des forces calédoniennes et du coup on a, on a réussi à en finale, même si on avait perdu, mais déjà c'était un bon... C'était un bon début quoi. Justement les moments forts euh, qui te reviennent comme ça là, sur ta carrière, que ce soit en club ou en sélection, en as on imagine pas mal. Est-ce que tu en aurais peut-être un ou deux qui te reviennent tout de suite à l'esprit Oui, il oui, y en avait pas mal. Mais s'il faut choisir, ben, je vais choisir deux. Moi c'est... Ben, où tout a commencé. Hein, c'est... La finale, contre, la finale avec côté la finale territoriale contre Gaïcha. C'est vrai qu'on avait, avait perdu au tir au but. Hein. C'était un but où j'égalise à 2-2 pour partir après en prolongation au tir au but. Et le deuxième, du coup Le deuxième, c'est après, après cette finale perdue, j'ai été repéré par euh, Gaïcha qui joué contre Venise après. Donc ils, ils étaient là sur le territoire ils avaient besoin des. De deux attaquants, du coup, j'étais parti avec eux. Et comme ils ont gagné contre Gaïcha après la finale, c'était c'était au stade de France contre euh... à Saint-Isidre, je crois. Vous avez joué avec euh... et dans Venus, il y avait dans Vénus, il y avait Tagawa, Jacques euh... Kaiser, les les Frac je et, et, et l'autre le... projet aussi, l'Ali Dick. Et c'est là où j'en ai pu fouler le Jouer au Stade de France, hein, c'est juste après euh, le sacre de, de l'équipe de France. Où, là, c'était un bon souvenir. Mémorable. mémorable. Forcément, mémorable et forcément un sacré souvenir. Après, euh, dernière question, comment toi, tu, tu te jugerais en tant qu'attaquant Enfin, le style de jeu que tu avais En fait, moi, bon, j'étais un attaquant où j'ai joué plus sans un joueur de pivot, en fait. Donc, euh, j'aimais faire briller mes. Mais... Mes, mes coéquipiers et aussi voilà, j'avais aussi cette faculté d'être de devant le but et marquer comme j'étais grand là, que j'étais un bon jet tête aussi. Okay, ben on va revenir dans votre analyse un peu plus technique dans la suite de ce nouveau programme. Parole d'attaquant hein, tout à l'heure. Euh, Ramon Michel, on se retrouve ici euh, en tribune au stade de Noumadele. Alors on est revenu forcément sur vos vécus respectifs, sur vos carrières. Euh, ça nous amène aussi euh, bah, à vous demander quelle vision vous avez, vous, du, du poste d'attaquant. Ce poste de buteur qui, on le sait, est bien à part, hein, où, où la confiance euh, est, très, est primordiale euh, dans ce rôle d'attaquant, de buteur. Pour ma part, le rôle d'attaquant, c'est... Euh... Ben c'est le poste le plus dur et le plus ingrat parce que, premièrement, ben on va ramasser des coups. Et après, comme tu dis, euh, on a besoin de beaucoup de concentration. Et euh, donc, quand tu, dans un match, tu ramasses des coups, donc tu as moins de concentration. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu développes personnellement pour pouvoir rester serein et à chaque fois être efficace et terminer les actions de jeu pour être efficace pour ton équipe. Justement, Ramon, toi qui parlais tout à l'heure de, de point d'ancrage, euh, comment tu vois un peu ce, bah, ce rôle justement d'attaquant ah, C'était déjà, c'est un poste où tout le monde hein, voudrait jouer au poste d'attaquant, mais c'est un poste où, c'est vraiment où on prend du plaisir et où, euh, voilà, où on doit faire gagner l'équipe, on doit marquer des buts, bien sûr. Et c'est, voilà, de par le, le but, on soulage aussi, on soulage aussi les les défenseurs, déjà, parce que le fait qu'ils défendent, tout le monde défend. Après, le fait de, nous, de voir les attaques qu'on c'est vrai que ça. ça va dire que ça soulage, mais c'est la bonne pression aussi. C'est ça, et c'est vrai qu'au niveau mental, il bah, fallait, euh, comme tu disais, Michel, être solide pour encaisser les coups. Et puis pour garder euh, cette force mentale pour euh, avoir le geste juste quand il fallait. C'est pour ça que nos entraîneurs ils nous ont toujours dit de toujours être à l'entraînement, hein, parce qu'il n'y a pas de secret hein, de s'entraîner à la condition physique. On va y venir, justement. Et voilà, c'est vrai qu'il faut être, avoir de mental et avoir le, le geste juste là de, dans, dans la surface, dans le petit carré de vérité. Alors justement, Michel, le bon geste, le geste décisif, c'est aussi lié à du travail, aux séances d'entraînement, à cette répétition des gestes. Comment tu vois la chose ben déjà, euh, il faut être euh, en bonnes condition euh, physique, déjà quand on joue ce poste, parce qu'on euh, doit beaucoup se déplacer. Et euh, tout à l'heure, euh, j'ai évoqué le, le, de, le développement personnel, hein, où on doit rester euh, constamment euh, concentré sur le match, parce qu'un euh, match, on peut... Euh, on peut le tuer à n'importe quel moment et donc ça demande beaucoup de concentration. Et le bon geste, voilà, comme tu dis roumain, c'est euh, à l'entraînement. Hein. À l'entraînement, ben, euh, on se fait du plaisir. Euh, je pense qu'à notre époque, on avait euh, c'était euh, une bande de copains et donc euh, qui aimait le football. Et euh, après chaque séance d'entraînement, eh ben, on, on se prend chacun euh, 10 minutes encore et puis on reste ensemble et puis on va taper devant les buts. On essaie de se faire plaisir et c'est ce moment-là où on essaie de s'appliquer à chaque fois. Dix minutes euh, sur euh, un mois, ça fait beaucoup hein, et euh, oui. si on se concentre, chaque fois on essaie de tout mettre euh, ses frappes, ben, après en euh, match, ben, c'est voilà, plus facile, ça devient une habitude. Ramon, toi comment tu as appréhendé un peu tes, tes séances Justement dans la répétition des gestes, là Michel nous dit qu'il restait un peu plus… Euh... En fin de séance, répéter les gestes de l'attaquant, toi, c'était comment ouais, ton... c'était ça, c'est ça, c'est là, du spécifique attaquant, on va dire, c'est, à chaque fois, on restait, même on faisait des séances, euh, même pas à une heure le matin, hein, voilà, c'est la répétition des gestes, euh, et après, pour que, pour que ça devienne au match, que ce soit naturel, instinctif, hein, Mais voilà, c'est comme Michel disait, il n'y a pas de secret, hein, c'est, attaquant, c'est ça, c'est répéter les gestes de mon but, c'est la répétition, la répétition, et après... Après, ça, ça paye après. Comment vous voyez, euh, vous deux, là, le, les attaquants modernes, euh, modernes maintenant évoluer euh, au niveau sur les matchs euh, que l'on peut voir euh, à la télévision Comment vous jugez un peu euh, les bons attaquants actuels, les très bons attaquants actuels Pour ma part, moi, c'est l'efficacité. Hein. L'attaquant moderne, pour moi, c'est celui qui, euh, qui est efficace, hein. 100% d'occasion. Ben, et, et, il en marque les... il y a quatre occasions. Il marque quatre. Quoi, pour moi, l'attaquant mondial hein. en vrai, cas. On demande aussi euh, l'impression sur le très haut niveau, de plus en plus aux attaquants, de venir jouer dans le jeu, proposer des solutions. Il y a aussi ce côté-là où, quand même, c'est des machines. Quoi. On a l'impression qu'ils qu gardent aussi de l'énergie pour être efficaces. C'est compliqué aussi ce côté-là de, de l'attaquant. Ouais, c'est ça. Bah, on a deux, en ce moment, -là, dans le football moderne, on a deux profils Aylan et, et Mbappé. Aylan, où c'est la puissance. Bon. Et Mbappé, lui, c'est la vitesse. Hein, c'est là où on voit ces deux profils Différent. différents. Mais... Et voilà, après, l'efficacité, elle est là. On va, on va revenir un peu plus sur justement les matchs du caillou, les matchs de, notamment de Super League, hein, ou même des jeunes euh, que vous avez l'occasion de voir euh, les week-ends. Vous, comment vous, a, vous, vous jugez un peu euh, bah, l'évolution des attaquants en et le regard vous avez un peu sur, euh, sur les attaquants actuels euh, qui jouent par exemple en Super League, Super League et puis, euh, quel conseil vous pourriez euh, leur donner à ces attaquants calédoniens et attaquantes ben Moi, pour ma part, euh, je pense que euh, les attaquants ils manquent euh, beaucoup d'efficacité devant les buts. Quoi, hein. euh, sur plusieurs euh, matchs que j'ai regardés à la télé où je suis venu au stade, euh, j'ai constaté que beaucoup d'attaquants euh, manquent beaucoup d'efficacité devant les buts. Et euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, au niveau du déplacement des attaquants. Je pense qu'on ben, n'essaie pas assez de euh, tremper son adversaire direct, son défenseur direct. Et donc, euh, l'un des atouts pour tremper l'adversaire, pour se démarquer, pour pouvoir marquer, c'est le, le déplacement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, en regardant certains matchs, je pense que... Euh, nos jeunes attaquants, il manque beaucoup d'imagination au niveau des déplacements. Armand, toi, ta vision là-dessus, toi qui es justement aussi euh, salarié à la fédération, euh, quels axes de travail et de progression euh, tu imagines sur ce, ce poste très spécifique, hein, comme on le disait ouais, Déjà, comme on le disait tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait faire plus de dans leur club. Ça, Même eux perso, hein, ils peuvent. Euh... Des spécifiques, travailler devant le but, que ce soit l'entraînement, rester une heure après l'entraînement, et travailler devant le but. Et après, il y a de la qualité, il hein, y, y a beaucoup de vitesse. On voit qu'il y a beaucoup de vitesse, mais après, c'est devant. Y a, ils ne sont pas assez Garde pas la, la pour euh, être euh, clairs, calme devant le but pour finir. C'est-à-dire, prise d'informations et... Et comme disait Michel aussi, c'est les déplacements. Hein. Là, on en discutait tout à l'heure tous les deux. C'est vrai qu'on ne voit pas assez d'appels contre appels. Ça, c'est ouais, une autre façon aussi d'éliminer son adversaire, de sortir de son marquage. Et, voilà. Même si euh, les premiers, deux, trois premiers matchs, il ne marque pas, mais au moins pour retrouver la confiance, essayer de, de participer au jeu, de, de décrocher, de, des courses son ballon. Pour libérer l'espace, ça on le voit, on le voit rarement. Ça, c'est une dissolution aussi. Mais sinon, il y a de la qualité. Mais voilà, c'est vrai que le jeu sans ballon, on le sait, euh, bah, c'est 80% du football et euh, ça reste essentiel dans, dans ce sport euh, qu'est le football. En tout cas, un dernier mot justement la, les euh, séances spécifiques d'attaquants, Est-ce que pour vous, ça, ça vous semble essentiel, au moins dans les staffs des sélections? Ah oui, en sélection, oui, je pense que ça euh, ça doit être une obligation même, même pour euh, euh, être efficace, pour euh, former des bons attaquants. Euh, oui, pour, pour les sélections, pour moi, c'est une obligation. Maintenant, est-ce que c'est possible de transmettre ça, transcrire ça euh, une séance au moins par semaine, euh, dans une demi-heure pour les attaquants en club Après, je sais pas si euh, en club ça peut être mis en place. Mais je sais qu'à une époque, euh, avec l'AS Magenta, on, on arrivait à mettre ça en place. Et donc, euh, c'est pendant ces moments-là qu'on essaie de se faire plaisir, spécifique attaquant ou défenseurs. Et euh, voilà, c'est une question d'organisation. Et après, je ne sais pas si en club à l'heure actuelle, euh, on peut mettre ça en place. Mais je pense que ça, ça serait une autre chose. Quoi, hein. Voilà, une des problématiques, Ramon, aussi du football euh, calédonien, essayer de bah, renforcer un peu les staffs en club, justement pour que, bah, par exemple, les attaquants puissent progresser euh, deux fois plus. Oui, bien sûr, parce que c'est ce, ce qui se fait maintenant dans le football moderne. Hein. Les, les, les staffs s'étoffent à la demande du coach. Hein. Il y a tellement de charges de travail que voilà, ça lui permet d'avoir euh, euh, une équipe pour euh, s'occuper. Euh, voilà, que ce soit un spécifique défenseur, attaquant, gardien. C'est vrai que la, la plupart des clubs ils le font. Hein, Je sais que euh, Majota, Yengen, Mondor. et c'est vrai que c'est dans, dans le staff des sélections. Ce serait, serait bien d'avoir euh, euh, un, un entraîneur pour attaquant, faire du spécifique attaquant. Ça, ça, c'est un besoin, on va dire. En tout cas, on espère que les clubs et puis les sé -sé sélections, forcément, y arriveront euh, le plus vite possible. On va se retrouver sur le terrain pour finir ce numéro euh, Parole d'attaquant. Voilà, Ramon Michel, on se retrouve sur cette belle pelouse du stade euh, Numadélé, une pelouse que vous avez euh, foulée. Et puis ces filets hein, qui sont pas encore mis seront installés demain pour la Super League. Des filets que vous avez fait trembler. On parlait tout à l'heure euh, justement de, de, de déplacement, de l'importance des, des déplacements pour les attaquants. Pour vous, c'est quoi un bon attaquant justement C'est l'intelligence de jeu, c'est bien se déplacer. Ah oui, pour moi, le plus important, c'est d'être intelligent dans son déplacement. Hein. Donc, pour marquer un but, il faut se déplacer en fonction de ton qu collègue qui a le ballon, quoi. Hein. Et puis. Euh... Où est-ce que tu veux recevoir le ballon pour marquer le, le but quoi, hein? Quand tu arrives dans cette surface, il euh, y a, as, on a plusieurs défenseurs. Donc c'est de trouver l'intervalle pour que ton collègue qui déborde sur le côté ou qui euh, vient en face puisse te trouver facilement. Quoi. Et toi, de telle sorte à ce que tu te trouves face au but pour euh, exécuter le geste juste. En vrai, justement, on voit justement, Ramon, souvent à la Super League, hein, des, ces attaquants qui ne bloquent pas leur course. Quel conseil toi, tu pourrais leur donner quand on voit dans cette surface ben, qu'il faut trouver cet espace de dégagement pour euh, pouvoir armer ouais, c'est comme on disait tout à l'heure déjà, euh, comme Michel vient de dire aussi, l'intelligence du jeu, c'est dans a les déplacements, c'est-à-dire l'appel contre-appel. On peut essayer de l'emmener d'un côté pour euh, recevoir la balle. Euh, le côté opposé. Hein. C'est par exemple comme le centre, si ça déborde, tu sais que ça, ça déborde ici sur le côté gauche. Donc euh, voilà, tu l'emmènes au premier poteau pour repiquer au second poteau. C'est ça, c'est les embêter par, par les cours. C'est ça l'intelligence des jeux. Où ça doit être, euh, ça doit être euh, voilà, automatique. Quoi. Il y a justement, euh, Michel, les conseils que vous avez déjà donnés aux. Aux joueurs actuels, euh, des petits conseils euh, en, temps, en discutant en tant que. Bon, à l'époque, j'avais donné deux petits conseils à un petit jeune qui jouait euh, chez moi. Et donc, je lui dis par rapport au corner, euh, que ce soit d'un du, côté ou d'un autre, l'endroit le plus difficile pour un gardien d'aller chercher, c'est à l'angle 16 mètres. Voilà. Et euh, cela, tu es sûr de pouvoir recevoir le ballon. Il faut prendre de, ben, ben, de l'élan pour pouvoir avoir le ballon. Hein. Et donc, soit tu pars d'ici, ou soit tu pars de là. Et euh, l'autre ben, manière, c'est de venir de là jusqu'ici, hein, pour pouvoir couper le ballon, hein, ou en marquer, de la tête, hein, bien sûr. Hein. Parce que moi, je n'étais pas fort de la tête, mais j'avais euh, ben, regardé Ramon à l'époque quand il jouait. Euh, où il avait tendance à marquer. J'ai regardé, j'ai analysé un peu et donc du coup, euh, pour pas faire aussi mon style d'attaquant, et j'ai pu euh, marquer de la tête. J'ai vu que c'est important les déplacements. Et il y a certains endroits du terrain où euh, on peut marquer des buts euh, et, et que le gardien ne pourrait pas nous. Voilà. Ramon, il y a aussi dans l'intelligence de jeu aussi ce. Ce côté où toi tu étais attaquant, tu regardais contre qui tu jouais, forcément ton vis-à-vis. -vis. Souvent tu en avais deux parce que tu étais en point d'ancrage. Et puis aussi le gardien, tu regardais un peu comment le gardien il était, c'était quoi ses points faibles Oui c'est ça. On... on pouvait déjà, je pouvais déjà venir regarder le match qui jouait avant, le week-end d'avant. Ou sinon déjà, on voyait déjà sur les... la partie échauffement. On voit déjà les droitiers ou les gauchers, donc on voit... Où... Ouais. Sans pied d'appui, donc il faut bah, essayer de chercher, voilà, et taper sur, sur le côté opposé. Après, c'est vrai que sur le. Il me disait, Michel, euh, moi, euh, il me disait aussi que le voilà, premier poteau, j'aimais bien croquer le poteau, comme on dit. Ouais. Premier poteau, premier Serge. <laughs> c'est pas mal. Et puis c'est vrai qu'il y a cette relation, Michel, qui est importante. Milieu attaquant, on t'a connu avec Pierre Wadjoka, par exemple, pour ne citer que lui. C'était, euh, toi, tes déplacements. C'était déjà un déclic quand tu savais que Huawei avait le ballon. Tu... Ben, c'est voilà, euh, la relation avec ton passeur, hein, c'est très important. Hein, et, euh, donc quand tu es habitué avec euh, quelqu'un, ben, tout à l'heure je parlais de l'intelligence au niveau du déplacement. Euh, Aujourd'hui je pense qu'on a plus ces euh, passeurs comme euh, à l'époque où il y avait Huawei. il y avait euh, Marus Marius Mapou euh, qui était un très bon passeur, un très bon disque. Et donc, où on pouvait jouer les yeux fermés. Et donc, on, on, on essaie de se déplacer instinctivement. Là aujourd'hui, je pense que les attaquants ils devaient euh, lever la tête et euh, ben, se déplacer une fois que le passeur euh, l'a vu, quoi, hein, avec le ballon. Parce que là aujourd'hui, quand on se déplace, tant que on se déplace pas euh, correctement, parce qu'on se déplace sans que le, le passeur l'ait vu. On, on dit souvent tôt, que c'est l'appel la, qui déclenche euh, la passe. Après, voilà, j'ai eu cette chance-là de rencontrer et de jouer avec ce euh, joueur, avec Pierre. Et euh, voilà, on a vu euh, sur les, euh, dans notre carrière où j'ai pu marquer euh, euh, beaucoup de buts grâce à cette relation qu'il y avait entre le passeur et le buteur. Pour bon, l'attaquant Toi, Ramon, tu as un coéquipier comme ça qui te vient à l'esprit, un meneur de jeu souvent, hein, qui te distribuait les... Les ballons pour que bah, tu finisses euh, le travail. Oui, oui bien sûr. Si mmh. j'ai eu la chance aussi de jouer à... avec euh, Maris Mapou qui pouvait faire de des -er. de des vrai, c'était des pliants, des bons avec bonne vision de jeu. Donc, après voilà, c'était l'avantage qu'on avait avec eux, c'est que n'hésitez pas à échanger, mmh. que ce soit par le football, voilà, les déplacements et ils analysaient vite euh, tes déplacements et nous aussi les par rapport à eux aussi. Donc après, sur le terrain, c'était... on se trouvait. C'est vrai que tu es numéro 10, et voilà, ça remonte, oui. mais après, peut-être, oui. pour les peut jeunes de maintenant, essayer de, 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 de se communiquer, d'échanger avec, euh, pour avoir ce lien après, pour que ça soit ou en terrain. Voilà, c'est fait ça pour, Ça, pour ça, pour, ça, pour, ça pour automatique. Un dernier mot, Michel, peut-être un petit dernier conseil euh, que tu donnerais toi, euh, à ces jeunes Calédoniens qui arrivent, les, la génération montante, en tant qu'ancien buteur, euh, un petit dernier conseil. Et puis toi, Ramon aussi, après ça, on va en repartir euh, derrière nos écrans, puis aux tribunes, pour suivre euh, forcément les matchs avec vous en tant que regard expert, donc on espère. Bah bon, pour encourager les jeunes là qui arrivent, c'est de persévérer, et hein, de continuer à travailler, c'est le travail, hein. il faut euh, persévérer dans le travail. Et euh, je veux dire que pour tout fruit, il y a un dur labeur. Hein, il faut travailler pour pouvoir cueillir le fruit à la fin. Quoi. Donc ça ne va pas venir de suite. Mais ça demande beaucoup d'investissement personnel à l'entraînement. Ben, oui. Se dire que ben, le poste d'attaquant, c'est le plus dur. Parce que marquer un but, ce n'est pas facile. Quoi. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices. Et euh, ben, c'est le, le plus dur, c'est ça, c'est d'avoir un d'être bon euh, physiquement déjà et euh, psychologiquement. Parce que c'est très psychologique, ça beaucoup de concentration, beaucoup de travail personnel quoi, hein, pour être serein devant les buts. Et voilà, quand on est serein devant un but, on sait qu'on n'a pas besoin de frapper fort pour pouvoir marquer. On peut marquer en finesse et frapper fort, mais frapper fort, c'est le dernier, euh... dernier recours. Dernier recours. Placer la balle, placer le tir. Euh, Ramon, un petit dernier mot, tu auras le mot de la fin. Ah oui, voilà. S'entraîner, il n'y a pas de secret, c'est voilà, s'entraîner, spécifique, pas qu'ils hésitent. Et en plus sur le territoire là, on a beaucoup commencé à hein. choisir but, donc on doit appeler. Ne pas hésiter à, à faire appel à eux. Hein, et surtout ça et surtout l'écoute. L'écoute par rapport à, à leur entraîneur. Parce que voilà, pas qu'ils hésitent à, à aller vers eux, de leur, voilà, de leur demander conseil. Déjà, de l'écoute est très important. Hein. C'est comme ça qu'on peut progresser, comme hein, on dit chez nous, l'unité voilà, et le travail. Voilà, bah, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Parole d'attaquant, c'était une euh, première. Donc, euh, vous lancez un peu ce nouveau programme où on ira sur des thématiques football diverses et variées, mais toujours en en allant chercher l'expérience des anciens joueurs d'ici ou de celles et ceux qui travaillent aussi actuellement sur les terrains. Vous en faites partie. Dans les différents clubs et différentes provinces, on essaiera un peu de, de varier toutes ces discussions et ces témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit au mois prochain pour un nouveau Parole d'acteur football. On, a, on espère en tout cas que vous avez apprécié ce premier numéro, Parole d'attaquant. On va finir sur une photo d'équipe. Je me mets au milieu de vous deux. Et puis comme ça... On part là-dessus avec deux des plus grands attaquants du football calédonien. Ciao